Je suis quoi? Qui suis-je? Top! Dominé au départ par quelques bourgeois, je suis rapidement devenu le reflet des activités d'une puissance mondiale impliquée sur tous les continents. Je m'érige en gardienne de l'idéologie officielle. Tous ceux qui s'opposent à moi, militants des droits civiques, opposants aux guerres ou encore dissidents culturels, sont ciblés par des opérations de déstabilisation ou de neutralisation. J'ai largement infiltré, pour les démanteler, les organisations militant contre la guerre au Vietnam et pour l'émancipation des Noirs. Je suis quoi qui Je suis-je? pense que c'est le fascisme qui est responsable. Ah non, 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 non. Je crée les sociétés écrans assurant à mes hommes leurs propres accumulations primitives du capital nécessaires à la poursuite des actions clandestines. Je peux conclure des alliances tactiques avec le monde de la pègre, du jeu et du crime organisé. J'utilise des fonds provenant des trafics d'opium pour des opérations destinées à repérer et... Je suis quoi qui suis-je? De la responsabilité d'Oussama Ben Laden dans les attentats. Non, 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 non. À repérer et à éliminer des militants hostiles. Je suis derrière les tentatives d'assassinat de dirigeants populaires comme Nasser et Castro et les meurtres politiques de révolutionnaires gênants du tiers-monde comme Lumumba et Ben Barka. Je transférerai une partie de mes activités détestables à une nouvelle organisation, la NED, la Fondation Nationale pour la Démocratie, qui s'occupe de mettre sur pied des manipulations électorales et des campagnes d'intoxication médiatique, depuis la Pologne de Lech Walesa jusqu'au Venezuela de Je suis quoi qui suis-je? C'est le axe du mal. Ah ben non, non, non! Au Venezuela de Hugo Chavez. J'enlève des personnes en Allemagne, en Italie, en Suède et sur le reste de la planète pour les livrer à des pays amis comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, où ils peuvent être torturés sans limite. Je dispose d'un véritable réseau de prisons secrètes à travers le monde, appelées sites noirs, et dont certaines sont situées dans des pays de l'Union Européenne. Je contrôle les interrogatoires et j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur les individus. L'un de ces endroits prend nom de code Bright Light, lumière éblouissante. Une fois qu'on y est envoyé, je suis quoi qui suis-je? Historique, présente, fictive ou réel, la récurrence de la violence humaine, catharsis nécessaire, offre au sujet un exemple. Une fois qu'on y est envoyé, on n'en revient plus. Pour moi, la torture désigne maintenant les seuls actes affectant irrémédiablement l'intégrité physique des prisonniers. En deçà de ce seuil, tout supplice est légal. J'ai renversé en 1954 Arbenz, le président du Guatemala, après qu'il ait exproprié partiellement la compagnie bananière américaine United Fruits, compagnie dont le secrétaire d'État américain John Foster Dulles et son frère Allen, mon directeur de l'époque, étaient tous des actionnaires. Je suis quoi qui suis-je? C'est la logique capitaliste ultralibérale de la politique que mène ce gouvernement. Mes services sont en grande partie responsables des atrocités commises durant la guerre civile guatémaltèque. À Manille, je confie l'organisation de la lutte contre-révolutionnaire à un de mes aviateurs, le colonel Edward Lansdale. Guerre psychologique, guerre tout court, création de partis politiques contre les communistes, en commençant par les Philippines et puis dans toute l'Asie du Sud-Est. En 1953, j'y ai fait élire un dirigeant docile, le président Mac Sai Sai. Je suis quoi qui suis-je? Ce sont les prémices des terribles vengeances que les entités extraterrestres préparent. J'ai organisé en 1953 un coup d'état en Iran contre le premier ministre Mohammad Mossadegh, qui avait décidé la nationalisation du pétrole. J'ai organisé des actions de déstabilisation contre le Vietnam du Nord en 1954 et installé à Saigon la dictature de Diem, déclenchant ainsi la seconde guerre du Vietnam. En 1959, avec l'appui du vice-président Nixon et de Rubber Maywoo, je suis entré en contact avec des gangsters de haut vol, Traficante, le patron de la pègre de Las Vegas Rosselli, le chef de la mafia de Chicago Giancana, pour mettre au point un projet d'assassinat des dirigeants cubains. Je suis quoi qui suis-je? Je veux dire en français, l'anticapitalisme n'offre aucune solution à la crise. En 1961, 1500 de mes hommes débarquent dans la baie des cochons. Après leur défaite en moins de 70 heures, mes numéros 1 et 2, Dulles et Bessel, doivent démissionner. J'ai fourni, entre autres, en 1962, un soutien aérien aux forces du futur dictateur Joseph Désiré Mobutu. Les avions appartenaient à Air America, une compagnie que j'avais constituée. En 1964, j'ai renversé le président brésilien João Goulart, engendrant une série de coups d'état, de tortures et de disparitions d'opposants politiques. Je suis quoi qui suis-je? Car le problème, c'est l'immigration massive. En 1967, une vingtaine de mes hommes débarquent en Bolivie pour poursuivre et liquider le Che Guevara. Au Vietnam, avec l'approbation du président Johnson, j'ai lancé le plan Phoenix qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de paysans. En 1973, je suis mêlé au complot qui aboutit à la déstabilisation du Chili, au renversement et à la mort de Salvador Allende. Je suis quoi qui...
Depuis 1969 jusqu'aux années 80, j'ai financé la loge P2 jusqu'à 10 millions de dollars par mois. Je me suis servi d'eux pour créer des situations favorables à l'explosion du terrorisme en Italie et dans d'autres pays. Dans les années 80, j'ai établi des liens avec le cartel de Medellin en Colombie et me suis livré au trafic de cocaïne pour financer les contre-révolutionnaires au Nicaragua. En 2002, je suis derrière le coup d'État avorté contre le président Hugo Chavez. Je suis quoi qui suis-je ? Toi, tu la connais ? La réponse 1, c'est grisant pour toi, tu m'accabres, tu nous fais tout un spectacle, tu es content ? Dis-moi que tu es content, ils sont tous comme des cons, les syndicalistes et les patrons, les bergers et les moutons, pêle-mêle. Mais toi, tu la connais la réponse, je te la donne, qui suis-je ? Je suis... ton indifférence, je suis ton hypocrisie, je suis ta collaboration, je suis le monde feutré et aseptisé que tu n'as jamais cessé de convoiter. Tu es devenu une bête, une pauvre bête tenue en laisse par la main. Boudjou, de plus en plus de voix s'élèvent à travers le monde et m'accusent d'avoir moi-même organisé les attentats terroristes du 11 septembre 2001, créant un choc émotionnel, mondial et médiatique, afin de légitimer mes nouveaux... Je suis quoi qui suis-je ? Bah, moi, je sais. Mais je vous le dirai pas. Non, je rigole, c'est trop facile. Ils ont fait péter les deux tours. Ouais, trop facile. C'est la CI. Mais encore. Poursuivez, je vous prie. Oui, c'est monsieur le clown blanc qui remporte aujourd'hui la première manche de Je suis quoi qui suis-je. Je rappelle la réponse. C'était bien évidemment la CI. C'était la CI. Au revoir.